pour chanter et faire un lip dub, c'est le fun. Pour partir 2010 du bon pied, il faut se grouiller. Ouais, on va mettre ici du... Aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on va procéder. Premièrement, tout à l'heure, à la fin de la réunion, on va faire des petits groupes. Après ça, ces groupes-là, on va vous dire où aller exactement et qu'est-ce que vous aurez à faire dans l'hebdo. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous donner tout d'abord les petites consignes générales, en fait, pour le déroulement du hebdo. Donc, premièrement, on va se promener, il va y avoir la caméra, on va être quatre tout le temps. Il va y avoir la caméra, un assistant caméra, moi et Annie qui va suivre tout le long le groupe qui fait les actions dans l'hebdo. Donc, aussi justement, quand c'est votre passage, quand vous faites vos paroles à vous, c'est super important que vous chantiez pour vrai, parce que même si c'est du lip-sync au bout du compte, ça paraît à la caméra si vous chantez pas vraiment. Donc, je vous demande de chanter pour vrai, puis ça va donner une plus belle ambiance en même temps. On va descendre en bas, on va faire le parcours, puis je vais aller placer pas mal tout le monde. On va descendre en bas. Ouais, je pense pas que ça va être ici. Toi, tu vas sortir des écouteurs et un iPod à Chantal et à Claude Courant. Je t'amène ça tantôt. Parfait, je reste ici. Oui, OK. Ça va avoir Maxime Landry qui va rocker. Ici, oui. Quand je parle, je vous laisse passer. J'ouvre la porte. Oui, puis après, tu laisses passer la caméra. Parfait. Eux vont arriver, ils vont caresser les épaules, ils vont boire de l'eau, ils vont dire « Hey, Chantal, ça va bien aller. » Là, toi, quand je te donne le cue, tu pars à courir là-bas. En sens inverse, c'est Bruni Surin qui va venir t'avoir, qui va te taper dans la main. Oui. On a placé les gens à leurs endroits, puis on leur a expliqué vraiment en gros ce qu'ils ont à faire. Puis là, on va passer une première fois avec la caméra et la musique qui joue. C'est super important pour savoir les timings. Fait qu'on passe à tout le monde, puis là, ils savent vraiment leur chorégraphie. On fait deux répètes. Ensuite, on essaie de faire une bonne prise. Sinon, on le fait jusqu'à temps qu'on soit satisfait. En 3, 2, 1... À partir de 2010, du bon pied, il faut se trouver. On recommence parce que là, on est comme pas parti à temps, alors on était décalé partout. Fait que la musique suivait pas, les gens sortaient pas, mais c'est pour ça qu'il y a des pratiques. Honnêtement, c'est pas facile. On est d'une tabarouette de gang à gérer. C'est assez impressionnant comme mécanique et comme manœuvre, mais c'est tellement le fun à faire, là. Et c'est stressant. Il y a beaucoup de fébrilité dans l'air parce que c'est le festival du plan séquence. Fait qu'une personne se trompe, on recommence du début. Je suis stressée, regarde, je commence à pencher, là. C'est ça, Joël? Non, c'est amusant. Il n'y a rien de stressant là-dedans. Santé, grouillez-vous, laissez la musique vous entraîner. Grouillez-vous, pour un cœur et un corps en santé. Grouillez-vous, laissez la musique vous. Ça a pris à peu près 4 shots, mettons, comme une pratique, 3 tournages vraiment qu'on a enregistrés. Je pense que la dernière qu'on a faite, on verra ça, je pense que c'est vraiment la meilleure.